pas rechercher le mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Donne-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Donne-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. La vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Thank you.
Ce n'est pas la foi, ni la puissance, par mon esprit, dit Jésus-Christ.
Thank you.
Thank you.
Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre d'État chargé de la Défense nationale, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Général, Chef d'État-Major Général, Messieurs les Généraux, Messieurs les Commandants de Force, Messieurs les directeurs des organismes interforces, Messieurs les officiers, sous-officiers, gendarmes et militaires du rang, honorables invités, Mesdames, Messieurs et chers parents, Colonel à la retraite Léopold Aweya, décédé à Paris, mardi 7 février 2020. Compte rendu en a été fait immédiatement au chef d'état-major général. En raison des hautes fonctions et postes de responsabilité que l'illustre disparu a occupé de son vivant, la présente cérémonie d'hommage est organisée à sa mémoire. Elle se déroulera comme suit. Lecture du témoignage des forces armées béninoises par le chef d'état-major général. Sonnerie aux morts. Recueillement devant la dépouille. Présentation des condoléances à la famille éplorée. Et enfin, le récit. Évoque ce nom pour tous ceux qui l'ont connu et même simplement côtoyé. Né vers 1941 à Doga, commune de Zayanado, dans le département du Zou, le colonel à la retraite Léopold Aweya s'est éteint à Paris le mardi 7 février 2006 à l'âge de 65 ans des suites d'une courte maladie. L'illustre fils du Bénin a occupé d'importantes fonctions, aussi bien à la gendarmerie nationale que sur l'échiquier national. Après l'obtention de ses certificats d'aptitude professionnelle 1 et 2, il a suivi successivement un stage de sous-officier à Fréjus en France en 1964, un stage d'élève officier de gendarmerie à Maison Alfort en France en 1966, puis le cours de perfectionnement à l'école de gendarmerie à Melun en France en 1967. Il fut nommé successivement au grade de sous-lieutenant de gendarmerie le 1er octobre 1968, lieutenant le 1er octobre 1970, capitaine le 1er janvier 1974, chef d'escadron le 1er octobre 1978, lieutenant-colonel le 1er janvier 1983 et enfin colonel le 1er janvier 1986. Au titre des services et positions diverses, il a occupé les postes de responsabilité ci-après. Commandant de la compagnie de la Takura de 1968 à 1970, commandant adjoint de la gendarmerie mobile de 1970 à 1972, commandant de la gendarmerie mobile de 1972 à 1985, commandant adjoint du groupement des compagnies des forces de sécurité publique de 1980 à 1981, chef d'état-major des forces de sécurité publique de 1985 à 1987, adjoint au directeur du contrôle des armées de 1990 à 1992. Au titre des hautes fonctions politiques, il a été successivement nommé directeur du bureau spécial de recouvrement de 1972 à 1975, premier
secrétaire du Conseil national de la Révolution de 1972 à 1975. Ministre des Travaux publics, des Transports, des Postes et Télécommunications de 1974 à 1976. Ministre des Transports de 1976 à 1980. Directeur des études de la planification du ministère de la Défense nationale de 1981 à 1982. Directeur général des transports aériens du Bénin de 1982 à 1984. Directeur général du ministère de la Défense nationale de 1987 à 1988. Préfet du département du Zou de 1988 à 1990. Au plan sportif, membre fondateur et vice-président de la Fédération béninoise de taekwondo de 1975 à 1991. Président de la Fédération béninoise de taekwondo depuis 1992. Vice-président de la Confédération ouest-africaine de taekwondo depuis 1995. Le colonel Léopold Aouya fut admis à la retraite le 1er octobre 1992, après 30 ans, 1 mois, 22 jours de bon et loyaux service. Demeuré encore plus actif, il a consacré ses précieux temps de repos aux activités des militaires retraités et à celles des personnes âgées. Il fut alors membre fondateur et président de l'Amicale des gendarmes retraités du Bénin. Secrétaire général de l'Association d'entraide des membres des ordres nationaux du Bénin, vice-président du Cercle de réflexion et d'analyse politique du Bénin, président de la Fédération nationale des associations et organisations des retraités et personnes âgées du Bénin, titre qu'il a gardé jusqu'à sa disparition le mardi 7 février 2006. Au titre des décorations, il convient de rappeler ici que sa bravoure et son sens élevé du devoir lui ont valu de prestigieuses décorations, au nom desquelles on peut citer officier de l'ordre national du Bénin, commandeur de l'ordre national du Bénin, grand officier de l'ordre national du Bénin, officier de l'ordre souverain de Malte, commandeur de l'ordre national de la République populaire et démocratique de Corée, officier de la Légion d'honneur de la République française, commandeur de l'ordre national du mérite de la République française. Colonel Léopold Aouya, les forces armées béninoises vous sont reconnaissantes pour les bons et loyaux services que vous leur avez rendus, ainsi qu'à toute la nation béninoise. Adieu, colonel Léopold Aouya, que la paix vous soit légère.
Je voudrais inviter respectueusement messieurs les généraux et les colonels, chefs d'état-major à la retraite, à bien vouloir se recueillir devant la dépouille. De force, le directeur général de la police nationale et le directeur des forêts et ressources naturelles a bien voulu se recueillir devant la dépouille.
Madame la photographe.